Apanisake kwetu. Oui, c'est depuis 5 heures du matin que les terroristes rwandais du M23 ou encore une fois de plus violent les cessez-le-feu en attaquant les positions des FRDC sur trois antennes au-dessus de Sac en allant vers Nenero dans la localité de Murambi. Alors, les FRDC ont réussi à contenir cette attaque et vers 9h du matin, les FRDC ont fait monter des avions de chasse, des hélicoptères de combat, ça veut dire des Sukhoi 25 FRDC. Et maintenant, là où je vous parle, comme vous pouvez le constater, il y a des images qui sont là. Les avions de chasse des FRDC sont en train de déféquer les faits sur les terroristes rwandais du M23. Des hélicoptères des FRDC sont en train de pilonner chirurgicalement les positions des terroristes rwandais du M23, de Nenero et de Mouchaki. La population qui était à Sac pouvait entendre des tirs nourris tirés par les Rwandais du M23. Mais depuis le passage des avions de chasse des FRDC, la population n'attend plus les tirs des Rwandais du M23. Ça veut dire que les avions de chasse des FRDC ont réussi à faire taire leurs armes en tuant tous ces terroristes rwandais qui tiraient, qui étaient à Nenero et à Mouchaki dans la localité de Murambi. Et d'ailleurs, vous avez le tweet de Bertrand Bisimwa, allez sur son compte Twitter, le corps Bertrand Bisimwa, le président des terroristes rwandais du M23. Son tweet montre bel et bien, son agitation dans ce tweet montre bel et bien que l'avion de chasse des FRDC a infligé un très lourd bilan aux terroristes rwandais du M23. Son tweet dit ceci: les forces fidèles à Kinshasa, FRDC, Mai Mai et mercenaires font intervenir des hélicoptères de combat dans leurs attaques contre les positions du M23, y compris la localité de Nenero. Kinshasa exhibe ainsi à la face du monde son opposition à la paix, c'est type un camp. Mais les FRDC sont une armée loyaliste et ont le droit d'utiliser tous les moyens, tous les matériels de guerre qu'ils peuvent utiliser pour bouder dehors l'ennemi, pour neutraliser l'ennemi. Ce sont des agresseurs, ce sont des Rwandais. Quelle loi qui dit que nous, les FRDC, nous n'avons pas le droit d'utiliser, les FRDC n'ont pas le droit d'utiliser tous les moyens qu'ils peuvent? Quelle loi qui dit que les groupes armés, les Maïmaï qui sont là, qui protègent leur population, qui font, qui résistent à l'avancée de ces Rwandais, les M23, ne peuvent pas sécuriser leur population, ne peuvent pas résister à la progression des terroristes rwandais, les M23? Quelle loi qui dit ça? Que ça veut dire que les groupes armés qui sont là, qui se sont formés pour protéger leur population, leur peuple, dans les territoires des massifs là, ne peuvent pas sécuriser leur population et doivent fermer les bras quand les Rwandais viennent tuer leur population. Quelle loi qui le dit? Ils sont là, ils défendent leur territoire. Les FRDC ont bien les droits d'utiliser tous les matériels de combat qu'ils peuvent pour neutraliser l'agresseur, l'ennemi. Donc je vous dis là maintenant, là, à Nenero et à Mouchaki, tous les terroristes rwandais qui étaient ont été tués. Tués, neutralisés. Et l'agitation de ce camp président Bertrand Bisimwa de M23 montre bel et bien que le Sukhoi 25 des FRDC a réussi à leur infliger un très lourd bilan. Donc maintenant là, je vous parle, il y a un dé encore, les Rwandais est encore endeuillé une fois de plus. La localité, la position des Nenero, la position des Mouchaki est sous contrôle des FRDC. Maintenant là que je vous parle, sous contrôle des FRDC. Après le passage de ces deux hélicoptères, Sukhoi 25 des FRDC. Les images sont là. Regardez. Et merci aussi, je vous demande aussi de nous soutenir en likant, en partageant les liens de ces vidéos, mais aussi en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est seulement ça que je vous demande pour nous soutenir. Nous sommes à l'Est, nous avons des points focaux qui nous envoient des informations et des images, ça nous demande des moyens, mais le seul soutien que je vous demande, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube qui ne se focalise pas
qu'aux affrontements qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est le soutien que je vous demande, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de la partager, de partager les liens dans des groupes, dans des réseaux sociaux. C'est le seul soutien que je vous demande. Et tous les jours, vous serez mis en actualité de la situation sécuritaire qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et à nous revoir. Le soir, je vous reviens avec le bilan de ces affrontements. Mais retenez que des avions de chasse effarnissés ont bombardé Mémero et Bouchaki et ont tué tous les terroristes rwandais du M23 qui étaient.